Allez, mind-toi de finir ton pastis. Maintenant, il est temps d'attaquer le pastiche. Parce que noir, c'est noir. Y a plus d'espoir, mon pote. Fameuse lumière blanche. Normal, j'avais pris ma lampe torche. Pour ne pas manquer de sel lorsque j'ai dû m'y rendre. Ici plus qu'ailleurs, les morts peuvent danser. Et sur cette place parmi les décédés, ça prend toute sa signification, tout son sens. Within the realm of dying sun. Tandis qu'Henriette Adélaïde, couverte de son linceul, tendit le bras pour dire adieu à son mari. Chimiquement vôtre, mes chers pèlerins. Comme tous les touristes de base, de te vautrer devant la poubelle qui sert de tombe à Morrison. Prends donc un Repinirol pour soigner ton impatience. Le lieu regorge de curiosités bien plus fascinantes. D'accord, Madame la Mort. Quand on a son blaze sur une plaque de rue, on l'a aussi sur une pierre tombale. Et ça fait moins gai. Remarquez, en franchissant le passage des Anglais,
on s'aperçoit que la guerre de 100 ans devient un concept sans queue ni tête. Ceci dit, si ça continue, ces deux amoureux transis vont finir par choir dans leur tombe sans dessus-dessous, dans un grand méli-mélo dégoulinant de concupiscence. Les tombes constituent les étiquettes que laissent sur Terre les disparus. Pour éviter que ces étiquettes ne s'envolent, on les fabrique en pierre. Et les cimetières sont des champs d'étiquettes. Une étiquette cesse d'assurer sa fonction si personne ne la lit. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir le tafophile ultime. L'amoureux pantelant incliné sur sa belle a l'air d'un moribond caressant son tombeau. L'amour est un tombeau entouré d'ordures. Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premières et c'est la troisième qui m'a choisi. Ils veulent tous le voir. Vous vouliez le voir. Le voici devant vous. James Douglas Morrison. Bon, maintenant on va peut-être passer à autre chose, sinon sous le bochet on risque de voir apparaître Subiru. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans qui mourut dès sa naissance. Il eût gagné d'aller au tombeau dans sa jeunesse, s'il eût vécu du moins jusqu'à ce temps-là. La terre et la mer est le tombeau de tous les hommes. Ce qu'on apprend au berceau demeure jusqu'au tombeau.
dire que certaines mères disparaissent, abandonnant leurs filles au profit de gigolos sans cerveau. Aux vieillesses. À quoi donc te sert ton expérience? Que te sert, spectre vain, de te courber d'avance vers le commun tombeau des hommes? Si la mort se tait en y rentrant, lorsque la vie en sort. N'est-ce pas, Frédéric? Regarde, vivant de nom. Mort à l'intérieur. Sourire figé à la rose des vendettas. Qu'importe le moyen, pourvu qu'on s'en souvienne, le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Et plus on prend de l'âge, point de doigt d'honneur tu ne t'autoriseras. Foi de pélican. Aux ailes de cachemire safran, je crie ma dernière cigarette. Je vous attends. Salut Armand, ça va-t-il ma poule? Tu salueras Jean-Pierre de ma part, il est toujours dans le X? Si un homme n'érige pas son propre tombeau avant de mourir, il risque de n'avoir pas un monument plus durable que le tintement de la cloche et les pleurs de sa veuve. Dissous, fil-moi des dieux. Oh, être couché côte à côte dans le même tombeau, la main dans la main, et de temps en temps dans les ténèbres nous caresser doucement un doigt, cela suffirait à mon éternité. Rien n'est si beau, rien n'est si doux que de mourir un jour serein. Les yeux se ferment, mais l'âme entrevoit encore l'éclat du soleil. Elle s'élève de son enveloppe desséchée à travers l'azur du ciel. Tandis qu'au contraire, devoir se séparer d'un corps palpitant au milieu d'une nuit obscure et menaçante, faire dans un si grand isolement la longue chute du tombeau, lorsque toute la nature semble mourir autour de nous, ah, c'est une fin trop cruelle. Debout, feignasse, on a encore plein de macabres à saluer. Mis à part l'élan de l'innocence, cette œuvre magistrale de Gérard Lartigue, qui accueillera un jour le corps d'une célèbre écrivaine. À ce jour, on ne propose plus d'emplacement aux personnes vivantes. Elle en a de la chance. Il paraît, elle a dû coucher pour obtenir ce passe-droit. Si ce n'est avec l'artiste, au moins avec un politique. Ouaf. Le long des tombes aussi, les rumeurs oscillent aux battantes. Toi, dis-moi, c'est pas beau d'écouter aux portes, hein.
toi, il t'est filmé. Vite, t'embêche. Ouais, putain, Jésus. Où sont jumeaux? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là. Et le juif errant, le pêtre grec. Pfff, la misère. Sunt malaquae libas, ipse venena vibas. Ouais, mais c'est pas possible, je croyais que la tête du Christ avait été mise à prix sous Ponce Pilate. Avant que ça soit la pierre qui me sert à me récurer les pieds. Ou alors c'est encore des complots fomentés par des types comme Gérard en course. Des charlatans, des apothicaires, des occultistes, des créateurs gourous d'ordre bizarroïdes proches de la franc-maçonnerie. Ou pourquoi pas les Illuminaminaminati? Vu la gueule qu'il a, d'abord y'a pas tortillé du cul, c'est lui le coupable. De magnificence pour le monument de Louis Visconti, qui lui-même réalisa le tombeau de l'empereur à l'hôtel des Invalides. Les cimetières regorgent de fétichisme, d'ésotérisme, de métaphysique. Allégorie en métaphore, c'est pour ça qu'on les aime. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gaston? On a l'impression que tous ces poncifs te laissent pensif. Des tombes à perte de vue. Corisalia, Arnica Montana, Oxylococcinum Nux Vomica, tant de potions que nous boirons comme autant de locutions latines. En guise d'épitaphe. Oui, c'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent, la lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui courent. Quelqu'un a inventé ce jeu terrible, cruel et captivant. Les maisons, les lacs, les continents, comme un Lego avec du vent. Ripalin, j'ai une énorme mancée pour toi. Lorsque, comme un guerrier, je me fâche avec le genre humain. N'oublions surtout pas qu'ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés. Ce tombeau où Dieu et l'extermination sont face à face, où l'extermination regarde silencieusement l'absence de Dieu.
Les hommes luttent toujours pour se délivrer des pièges dans lesquels ils se sont précipités eux-mêmes, car l'illusion du bonheur est le tombeau de la sagesse. Mais de sagesse et de paix, il n'est point question dans les multiples résurrections de l'horreur. Le service après-vente de la sagesse est donc bien une invention de bonimenteur. Il ne nous reste donc plus que de prendre la balle au bout, la chaise au rebond comme tombée du ciel, de faire péter le bouchon et de nous asseoir pour déguster. Déguster jusqu'à notre dernier instant. Putain de nom de Dieu de bordel de merde. L'espérance nous crie sans cesse « en avant » et nous attire ainsi jusqu'au tombeau. Au nom de tous les miens, au nom de tous merdiers, champagne pour tout le monde. Les cimetières sont pour les gens connus comme pour les gens inconnus, pour les croyants, non-croyants, croyants, être connus ou pas connus, les ultra-crépidariens, les pour-à-rien. Dans le tombeau, tous les hommes sont égaux. Et même les chats pendant qu'on y est, s'ils ne bouffent pas les piafs. Sinon je les grille à 100 000 volts avec le prénom de cette satanée chanson qui m'a coûté 15 ans de prison. Alors pour oublier, exclusivement pour vous à la BL Discothèque Paris Tonight, sur le chemin des Oliviers, Remix 2020 by DJ Francis. Les feuilles mortes ont été la première mélodie que j'ai jouée au piano. Je fus aussi ému quand j'ai vu sa tombe au Père Lachaise, mais j'ai eu du mal à la trouver, pas vous? Aussi bizarre que ça puisse paraître, il s'agit d'une citation d'Ivo Livi, dans un Prévert. Hervé, tu es définitivement libre maintenant. A contrario, mes aïeux, pour l'homme avide, même la tombe est étroite. J'ai rarement vu tel monument de kitsch. Le narcissique fait de son corps le tombeau de son âme. D'habitude, on élève des tombeaux non à la gloire des morts, mais à la vanité des vivants. À quoi bon ces amis qui t'entourent? Tu seras seul en ton tombeau. Les lois, les siècles et les peuples se survivent par leurs œuvres. Les merveilles seules des arts brillent de leur ancienne immortalité sur le tombeau des âges. Les morts veulent vivre. Ils veulent vivre en vous. Ils veulent que votre vie développe richement ce qu'ils ont voulu. Ainsi les tombeaux vous renvoient à la vie.
Ainsi, notre pensée bondit joyeusement par-dessus le prochain hiver, jusqu'au prochain printemps et jusqu'aux premières feuilles. J'ai regardé hier une tige de lilas dont les feuilles allaient tomber. Et j'y ai vu des bourgeons. Encore plus loin et davantage. Telles sont les limites de la pensée humaine. Limites situées au-delà de la Voie lactée, à l'ombre du tombeau. Esto quodes, mais sois-le à fond. Et tentons de rester de joyeux architectes de nos vies jusqu'au bout. Ne fais rien sans consulter ce qu'ont fait tes ancêtres, que leur tombeau te sert de trépied pour t'annoncer l'avenir. Nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice au tombeau, nous sommes liés aux autres. Liés aux autres, jusque dans la mort à distance. Les deux frères Valentin ont été tués la même année, l'un dans la Somme, l'autre à Verdun. Encore, plus loin et davantage. Telles sont les limites de la pensée humaine. Le chronomètre de Léon Théry s'est arrêté à l'âge de 30 ans. Mais ce n'est pas à cause de ses temps de course qu'il a rejoint le tombeau plus vite. Cours pas, Tug, toi t'es pas pressé. Déjà quelque chose de révéler la poésie à un versificateur et la religion à un dévot. Et c'est pourquoi mon film s'adresse à tous. Aux étudiants d'abord, et qui donc cesserait d'étudier? Voilà bien un titre qu'on ne dépose qu'au tombeau. Au bout du bout, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si ce n'est d'être un voyageur en absurdie, un citoyen du monde qui n'a plus peur de rien. Le regard empli de bienveillance, avec la flexibilité de celui qui aime découvrir son prochain, vomissant l'ignorance à l'ébauche d'un sourire, donc il ne craint personne. Telle soif de découverte qu'elle pousse à l'érudition. Opportuniste et humaniste. À la grande loterie de la mort, ce sera toi. Je te connaissais pas, mais j'aurais bien aimé. Parfois, on admire des regards qui respirent la bonté, alors qu'au final, on ne sait pas. Thank you.
Mais peu importe, car sans confiance, point d'amour. Je reconnais cette bouche, c'est toi, Marguerite. Toi qui as pompé jusqu'à l'os notre bon président. Eh ben, elle est belle, la France, je vous jure. Ça te fait du bien, chérie? Un petit 5 à 7 avec la mort, ça vous dirait? Le premier rôle dans le prochain Jackie et Michel? Et toi, Louis Auguste, tu t'es fait pomper par qui? Les socialistes, les révolutionnaires, la bourgeoisie? Remarque, surnommé l'enfermé, t'as pas dû te faire pomper beaucoup. Surtout sans Dieu ni maître pour t'en tailler une. Alors mon petit gars, viens pas te plaindre. Que c'est beau. Il est certainement pas là-haut le paradis. Il est ici. Là-haut, c'est en bas que ça se passe. Nos chagrins et nos déceptions sont au fond notre œuvre. Le fait vient du dehors, l'effet vient de nous. Chaque vie se construit son tombeau, chacune de nos actions engendre un ange ou un démon, chargé de la punir ou de la récompenser. Trop facile d'accuser les autres, le tu-tu, que l'on soit maître ou que l'on soit séide. Père ou fils, soyons responsables. Raisonnable comme le sont certaines femmes qui n'hésitent pas à se mettre à califourchon sur le sexe du gisant de Victor Noir. La mort brutale de ce jeune journaliste est le symbole de la rébellion contre la répression impériale. Ses pieds, sa bouche, son sexe usé par les baisers autant que par les années sont devenus un symbole nécro-érotique. Allez savoir pourquoi. 100 000 personnes se sont déplacées à son enterrement et aujourd'hui encore, c'est une des tombes les plus visitées du Père Lachaise. Alors qu'on n'entend même plus parler de Pierre Bonaparte, son meurtrier acquitté, qui nous a quittés pour on ne sait où. N'est-ce pas Tiki? Ricky? James? Joseph? On t'appelle comment? Et dire qu'il y a un tas de pingouins qui préfèrent aller faire les Mickey à Euro Disney. Moi je dis que les vrais manèges à sensations, ceux qui donnent envie de gerber, ça se passe ici. Ouais, en plus je suis sûr qu'il y a plein de souris et de rats qui se baladent ici. Allez, on accélère. En voiture, Simone! Comme on dit à la pharmacie, vous voulez un petit sac?
laisse couler en guignol, hein. Il y a si longtemps que j'attends mon cancer. Je ne vais quand même pas partir sans lui. Les anciens ont tendance à rabâcher que dans le temps, c'était nettement mieux. Même si la vie était plus stricte, la morale sévère. C'est sans doute vrai, ma bonne dame, mais aujourd'hui, alors qu'on se croit libre, la censure est partout, sournoise. Avant de la quitter, il faut user la vie. Le moment d'être sage est voisin du tombeau. Nous ne laisserions pas le temps s'écouler devant nous avec autant d'indifférence. Si nous pensions plus sérieusement qu'il creuse chaque jour notre tombeau sous nos pieds, et que les différents âges par lesquels nous passons sont les différents degrés qui nous y conduisent insensiblement. Comme vint s'échouer sur le banc de sable ce caillou que j'ai ricoché. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Souviens-toi que je t'attends. Lentement, la nuit noire est tombée à présent. On va rentrer après avoir acquis Buzan. Une, deux, trois. À toi, ma vie. À toi, mon sang. Maintenant, grâce à Gilbert, je vais pouvoir rentrer chez moi, dans mon havre de paix. Merci, la SNCF. Si le train est à l'heure, naturellement, ou tout bonnement pas déprogrammé. Tempus narrabo. La mort est le terme de tout ce qui existe. Le tombeau est pour tous le dernier asile.
Pardonne toujours à tes ennemis. Il n'est rien qui puisse les contrarier autant.